20 km nord for Orange, i den sydlige del af Rhonedalen, finder vi vinområdet Rasteau og vinproducenten Domaine La Collière. På rekordtid har huset, som kun har eksisteret siden 2002, rykket sig op blandt de bedste i Rasteau. Men hvem er folkene bag, og hvad gør vinområdet Rasteau så specielt? Lad os se nærmere på den lille perle i Sydrhône. Ça a toujours été un rêve pour moi d'être vigneron et je n'étais pas prédestiné à faire ce métier-là. C'est l'histoire d'une rencontre qui a commencé le domaine de La Collière. C'est quand j'ai rencontré Delphine, donc ma femme, qui avait des terres sur Rasteau. Et j'ai commencé à faire mon vin en 2002. Voilà. Moi, mon image des vins du domaine La Collière, c'est la finesse, l'élégance et le fruit du domaine. C'est travailler d'abord à la vigne, faire un travail énorme sur la vigne. Et en vinification, c'est juste minimaliser les actions sur le vin. C'est-à-dire, je ne fais pas beaucoup d'extraction, parce qu'en fait, le terroir de Rasteau fait des vins naturellement concentrés. Il faut juste accompagner le vin et pas trop d'extraction pour le domaine. Donc le domaine de La Collière se compose approximativement de 22 hectares. Donc Côte du Rhône Rouge, Létouillère, Rasteau Létouillère, Esprit d'Argile et La Fontaine et le vin d'eau naturel. Donc les Côtes du Rhône représentent à peu près 2 hectares qui se trouvent en bas du domaine, en bas de l'appellation. C'est des terres qui n'ont pas été classées en Rasteau. Ensuite, nous avons Létouillère qui représente à peu près une grosse moitié du domaine qui se situe au milieu du terroir de Rasteau. Après, nous avons Esprit d'Argile qui est un peu plus en hauteur de Rasteau qui là se compose d'argile bleue et jaune. Et après, un peu plus haut, nous avons La Fontaine qui est spécifique au terroir de Rasteau, c'est-à-dire les argiles bleues qui donnent toute cette finesse. Voilà, qui se situe à peu près à 250 mètres d'altitude. Med en lidt atypisk tilgang for Rasteau-området prioriterer Domaine La Collière elegance, balance og friskhed frem for power. Denne unikke måde at gribe det an på har sendt dem til tops i Rhonedalen. Og det gør dem et besøg værd, rent smagsmæssigt.